Ah, merci Tommy pour le follow. Bon, on prend notre arme. Les guerres juives s'en tirent rarement. Calme, ça va aller. C'était pas loin. Ça va? Jusman est capturé. Désolé pour ton ami, mais on doit s'occuper du dernier camion. Non, 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 tu vas nulle part.
ouvertement désobéi. Eh ben envoyez-moi en cour martiale. La désertion, c'est la peine capitale. Alors peut-être que je devrais nous rendre service à tous. Et mettre fin à tout ça. Sergent ! C'est fini. T'appartiens plus à ma section. Dégagez-le. Ça va aller. On va s'occuper de toi. Vraiment, fais tout ce que t'as pu. Bin auf der Suche nach Arbeitern. Das ist super schön. Die und separat. Jette die Plaque. Jette die. Cherche les Juifs. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag nicht dort, du Nazi, du Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dirk. Zeig sie mir! On est américain. Point barre. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Ça fait 8 semaines que Zussmann s'est fait capturer. Mais j'essaie de garder espoir. Ouais, au camp. Monsieur, dites-moi qui l'ont trouvé. Si seulement, fiston. Pearson ne se souciait pas du tout de lui. Pas plus que de ses hommes à Catherine. Catherine ? Vous avez tout faux, soldat. Pearson a reçu l'ordre de battre en retraite. Mais certains de ses hommes étaient coincés dans cette place. Il ne pouvait pas se résoudre à partir sans eux. Mais il a fini par perdre encore plus d'hommes en tentant de les sauver. Depuis, il n'est plus le même. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour Pearson. Vous rentrez au pays. Je vais finir en cour martiale, monsieur. L'image de l'armée serait bien ternie. Sous les punitions, le soldat qui nous a tant fait progresser. Et oui, les informations que vous avez trouvées sur ce prisonnier nous ont permis de localiser le dernier pont traversant le Rhin. Il se peut que vous receviez l'étoile de bronze. Vous êtes un vrai héros. C'est bon de te revoir, Red. À partir de maintenant, je compte plus te lâcher d'une semelle. Tu m'as bien compris, caporal ? Oui, madame. Je sais pas, peut-être qu'on va contrôler à Yellow, à mon avis. On ne sait pas. Oh, Pearson ! Le con Pearson.
Est-ce que tout va bien, Red? On est là pour causer ou pour chasser, hein? Tu devrais être fier de toi. T'as surmonté ta peur, tu t'es défendu. On ne peut pas demander plus à un homme. C'est la meilleure sensation au monde, pas vrai? Connaître l'enfer et revenir chez soi en véritable héros. Red? Red? Vous êtes un vrai héros. À la vie, à la mort. J'ai été démobilisé. Pire encore, les Boches ont capturé Zussman. Mais je ne l'abandonnerai pas, même si je pouvais rentrer chez moi. Oh tiens, joystick, il s'est défollow. Et bah. Mars 1945. Notre mission avec la 9e DB et la 99e est de prendre le pont de Remagen. Je ne demande qu'à être avec Hazel quand le bébé sera là. Mais je dois convaincre Pearson de me laisser combattre. Je dois retrouver Zeus, il ferait pareil pour moi. Si je ne survis pas, je veux que tu t'occupes d'eux, Paul. Oh, oh. Qu'est-ce que tu fais ici? À ton avis? Du suicide. Elle vaut mieux pas rentrer. Pearson a picolé. Merci pour l'info. Non, mais tu te fous de moi. J'abandonnerai pas, Zussman. Parle-en à l'aumônier parce que j'accepte que les subalternes qui savent suivre les ordres. Vous ne suiviez pas les ordres quand vous avez refusé d'abandonner ces gars à Catherine. Qu'est-ce que tu viens de dire? Vous le savez. Tu ferais mieux de partir tant que tu peux marcher. Davis m'a dit, ce n'était pas votre faute. Vous ne pensiez qu'à la survie de votre section. Dégage! Dégage! Je bougerai pas! Je t'ai dit de dégager! Nom de Dieu! J'avais pour ordre de me replier. J'avais quelque chose à prouver, j'ai dit à mes hommes qu'on arriverait à tenir bon jusqu'à l'arrivée des renforts, mais ils sont jamais venus. Jamais. Alors ouais, t'as raison. Mes hommes sont morts par ma faute. Va-t'en. Je partirai avec ma section. Tu penses avoir des tripes, hein? Essaie de faire ton travail, jour après jour, alors que tes hommes se font tous massacrer. Turner n'aurait jamais baissé les bras comme ça! Est mort! Alors que sa mort ne soit pas vaine! Pas de sacrifice trop grand! Tu n'as aucune idée de ce qu'est un sacrifice! Et ça, c'est quoi? Un certificat d'immobilisation signé par Davis. Mon billet retour. J'aurais pu tout avoir. Un accueil de héros, ma femme dans mes bras, et même une étoile de bronze. Mais il me reste une dernière mission. Alors t'es vraiment cinglé. Plus que vous pensez. D'accord, c'est bon.